C'est Benoît, qui se retrouve pour l'épisode YouTube de la semaine et même le premier de l'année 2018. Voilà, voilà. Bon, on a Babas. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, il y a eu, bon, il y a eu le réveillon de Nouvel An, certes, mais surtout il y a eu Uma nous a fait un petit cadeau pour les joueurs les plus actifs et voici le mien. Enfin, c'est un sacré coffre et il est sacrément rempli. Voilà ce que j'ai eu perso pour. Merci Uma. Bon, c'est vrai que à part avoir participé pour, on va dire pour. Bref, vous avez compris, pour l'événement de Noël. Bon voilà, j'ai reçu ça en plus en cadeau. Pour ta, par contre, il a dû fermer pendant un long moment. D'ailleurs, il y a aussi un autre truc, d'ailleurs, tant qu'on y est, c'est que vous savez, comme on est là où je filme, on est le 1er janvier, et surtout, ben, ça veut dire que, voilà, vous avez compris, Amol est de nouveau autorisé à venir. Hein, pour savoir qu'il est installé un peu plus loin, il est juste derrière, il est un peu plus loin. On peut aller les voir rapidement, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais vous montrer une chose avant d'aller voir. On va aller tranquillement au spawn. Pourquoi? Parce que Zar a continué, le car a continué et a un peu plus achevé son port. Enfin, disons que les premiers quais sont faits. Enfin, il a enfin fini de les faire. Après, c'est bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cobbles qui sont utilisés, mais ils sont faits. Et ça, franchement, tant mieux. Tandis que l'on passe tranquillement vers le Fantabopice Waka. Voilà. D'ailleurs, on va aller juste après à l'usine à sorcières, parce que comme je l'avais promis dans l'épisode précédent, j'avais promis que je la mettais en route. Je l'ai mise en route, et pendant à peu près une heure, et enfin un peu moins d'une heure plutôt, c'est le terme exact. Et franchement, j'en suis content parce qu'elle fonctionne très bien. On va aller voir ça juste après. Voilà, comme je vous disais, regardez. Déjà pour le port, on voit bien que ça a pas mal avancé. Donc qu'est-ce que ça signifie également? Mais que pour le prochain épisode, il va falloir que je m'amuse. Et oui, à faire mon bateau. Et oui, voilà. Donc je vous rappelle, j'avais fait un bateau en créative. Il va falloir que je le refasse en survie. Donc voilà, premier projet sans doute de 2018. En tout cas sûr, c'est de faire le bateau. En tout cas, on va aller à l'usine à huile. Vous pouvez voir que, vous voyez, il n'y a plus les torches. Déjà, on voit que c'est pas éclairé de loin. Parce que j'ai enlevé, forcément, comme je l'ai mis en route, ça a enlevé les torches. Et franchement, j'ai testé et les mobs et les sorcières spawnent dehors. Bon, là, apparemment, il n'y en a pas, c'est normal parce qu'on vient tout juste d'arriver, donc ça ne peut pas spawner comme ci, comme ça. Mais on va aller en bas et vous allez voir que ça a spawné dedans. Ça a spawné dedans entre temps. Alors, par contre, j'ai quelques soucis niveau fonctionnement, mais. Étant donné qu'on a énormément éclairé en bas, pour rappel, j'avais montré plus ou moins la zone d'éclairage, malgré qu'il reste encore ce truc-là, à la limite pour optimiser à fond, mais franchement, on va voir déjà ce que j'ai récolté, franchement, c'est déjà pas mal pour une usine à witch, franchement, vraiment, quitte à, je l'ai vraiment bien optimisé au niveau de l'éclairage aux alentours, parce que franchement, regardez, bon, là, pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal, mais regardez en dessous, vous allez voir, voilà, ça, c'est tout ce que j'ai récolté en une heure, en moins d'une heure. C'est pas mal. Déjà la glowstone, déjà on n'aura pas trop à l'en choper dans le nether, déjà que c'est assez chiant. La redstone, bon c'est sûr. La poudre de creeper, ça, je vais pouvoir m'en servir pour faire notamment les feux d'artifice. Moi qui voulais faire feux d'artifice, là voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'enclenche avant. Bon, les 8 torches de redstone, vous deviez très bien que c'était celle qui éclairait à l'intérieur pour pas que ça spawn en attendant que j'active. Donc je vais pouvoir les retirer, je vais récupérer d'ailleurs. Mais bon, vous pouvez voir que franchement. Avec ce que j'ai récupéré, bon, c'est vrai que les bâtons, c'est pas être très utile, mais par contre, le reste, ouais. Après, vu tout ce qu'il y a comme élément, quitte à faire des colonnes, je pense, après, pour voir ce qui va s'accumuler, ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, l'usine à sorcière, voilà ce qu'elle a produit en une heure. Enfin, en moins d'une heure, en tout cas, bon, c'est pas mal, je trouve. En tout cas, donc, ce qui fait que si on a besoin de 2 ou 3 trucs, je pense notamment si j'ai besoin d'un peu de poudre pour 2 ou 3 trucs, j'ai juste à rester un peu longtemps et puis c'est bon, ça fonctionne impeccable quoi. Alors par contre, on est allé assez profond. Est-ce que ça a spawné entre temps? Je vais vérifier. Sont normalement on les entend. Hein, quand on, bon, elles ont pas spawné entre temps, c'est pas grave. Par contre, je sais que si je vais là-haut et que je reste assez longtemps, elles spawnent entre temps. Faut savoir que comment je fais pour passer dans l'usine à sorcières, c'est très très simple. J'avais dit qu'il fallait se mettre dans le chapeau et c'est le cas. Quand je suis dans le chapeau, j'ai fait un test, notamment avec la commande F3. Et dites-vous que justement, j'avais vu qu'il y avait le nombre d'entités qui montaient, qui redescendaient d'un coup et qui remontaient. J'ai fait, ah, ça c'est l'usine à witch qui fonctionne. Et en effet, regardez, on se met là, tout bonnement simplement, même là. On attend et puis ça fonctionne, voilà, on a juste à stand là, et c'est bon, tout baigne. Vraiment génial, vraiment sans plus, enfin vraiment sans plus. D'ailleurs, oui, j'avais dit que, voilà, on se rappelle, on peut voir que par contre le fait qu'il ait même été débanni, par contre les profondeurs n'ont pas été remis à zéro. Bon bah c'est pas grave, il y a toujours ces 62 morts, hein, que vous voulez que je vous dise, tant pis. Bon, oui, ça bouge beaucoup durant cet épisode, c'est normal parce qu'on va pas mal parler justement de cette affaire, est-ce qu'il y a des witches qui ont spawné entre temps. Ah ben voilà, regardez, comme je vous disais, vous voyez, on est à peine monté, on est redescendu, vous voyez, ça a déjà spawné.
C'est génial, hein. Comme je vous dis, elle fonctionne bien. Vous voyez, le fait de bien avoir couvert comme ça. Et le pire, c'est une usine qui est décorative en plus. Elle est décorative. Et regardez, ça a déjà spawné dedans. C'est génial. Vous voyez, l'usine à Witch est parfaitement fonctionnelle. Et ça, c'est génial. Vous voyez, on est à peine monté là-haut. On est redescendu. Il y avait déjà une Witch qui a spawné. Ça, franchement, c'est super génial. Alors, à quoi sert cette flèche aussi également? Je sais que j'ai mis ça, une flèche. Pourquoi? C'est pour aller chez Alpha, parce qu'en fait Alpha, en fait je me suis trompé, je suis peut-être parti par là. Alors qu'en fait Alpha, on dit, par rapport à l'usine à Witch, il est juste par là. Donc ce qui fait que le train des mers va d'abord passer par chez lui, donc ça va être assez sympa. D'ailleurs, on va faire une petite pause, vous allez voir où est Amol à l'heure actuelle. Et je vous dis donc à tout de suite. On est de nouveau et je suis accompagné de Amol, vous entendez, voilà, il est en vocal en plus. Coucou. Voilà. Première fois que vous entendez sa voix d'ailleurs. Non, mais c'est pas la première fois. En tout cas, première fois que vous voyez le... Enfin, en tout cas, en face de moi et avec la voix. Voilà, c'est le terme exact. Voilà, comme ça, vous avez la voix et le... Voilà. Exactement. Oui, alors par contre, le truc là, on voit que c'est une armure enchantée en or. À mon avis, t'as dû choper ça peut-être là-bas, ce que tu m'avais dit, c'est ça, hein. Oui, j'ai ça. Ouais. Parce que sinon tu connais la sentence, hein. Ah bah oui. Mais, alors pour savoir où il est, c'est pas très compliqué. Si j'avance par là, on va voir votre ancienne maison, enfin dans direction là. Si j'arrive à faire charger, on voit. Voilà, c'est bon. Regardez, moi on peut voir. Voilà, votre ancienne maison était là, donc c'est derrière chez Kevin. Donc c'est que vous êtes un peu plus loin maintenant, ouais. Que t'as déménagé là, voilà. Parce que je rappelle qu'il devait commencer. Quasiment sans rien, même si c'est vrai que je t'ai fourni, on va dire, et encore je crois que t'en as même pas eu besoin, c'était de la... C'est surtout de la bouffe en fait que j'ai fait, un peu de bouffe surtout. Pour les torches et la bouffe, ouais. Bah encore, les torches, j'ai juste foutu 12 planches de bois, et encore, vu ce que t'avais là, t'avais largement de quoi faire. Oui, bah oui, t'as vu, j'ai bien fait tout ça. Par contre, je t'entends pas bien, un peu dommage, bon ça en même temps, avec dites-vous qu'en ce moment, c'est encore, c'est comment ça s'appelle, la tempête là qui passe, c'est... Bon, bref... Je sais pas. Ouais, bon, pareil, bon, vous me direz ça dans les commentaires, c'est pas grave. Hein. Enfin, si vous avez le courage de le dire dans les commentaires, surtout. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, Amol est donc reparti sur une base. Bon, certes, un peu plus safe, on va dire, parce qu'il est quand même au milieu de la flotte, il a torché, et voilà, donc ce qui fait qu'il y a moins de risques, quoique. Par contre, ça peut spawner au-dessus de ton puits, au niveau de l'église, par contre. Comme c'est des... Ouais, ça je sais. Ouais, donc voilà, bon, en tout cas, c'est sûr, ça, c'est déjà plus sûr. Parce que même au niveau des toits là, que tu vois, dessus des toits PNG, ça peut spawner ça par contre. Bon, en tout cas, il faudra que tu torches un peu plus. Bon, en tout cas, je sais que tu utilises l'île style là, ça pour... Ouais, pour, alors ce que je vais faire en fait, c'est que cette île là, je vais raser tous les arbres. Ouais. Je vais la terraformer un peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite maison. Ouais. Et à l'intérieur de cette île, il y aura plein de petits passages pour mettre, par exemple, la salle des coffres, la salle productive... Des plantes et tout ça, et puis le village je le mettrai en forme pour voilà quoi, pour qu'il soit joli. D'accord. Bon bah c'est sûr, un beau projet en tout cas. Par contre, je me suis retourné un peu en écho, t'es sur haut-parleur je pense, non? Bah je suis avec mon téléphone, c'est parce que la co vu qu'elle bug. D'accord. Oui bah d'accord, bah ok, bon c'est pas grave. Bon en tout cas, voilà pour nous. Bon, Uma n'est pas en tout cas Uma a pu constater, enfin en tout cas je sais ce que Mimilouf qui sera avec nous pour la prochaine saison, a pu constater que l'usine à Witch fonctionne, donc comme ça qui est pas loin quand tu auras l'autorisation. Je rappelle que tu restes encore 2 semaines où t'as pas encore le droit d'utiliser n'importe quelle usine, quelle qu'il soit, hein, n'oublie pas. Donc après, en fait, t'avais un mois de ban pour l'utilisation de X-Ray et t'as deux semaines en plus quand tu as des codes de non-utilisation d'usine, des usines actuelles. C'est-à-dire usine à faire, usine. Enfin même usines qui sont à côté de chez moi, tu vois ce que je veux dire. Que j'ai. Non mais t'inquiète pas. Voilà, donc mais bon, d'après ce que j'ai vu, tu te débrouilles très bien sans pour l'instant. Enfin voilà. Bah oui. Voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est juste pour prévenir comme ça. De toute façon, tout le monde va être au courant. De toute façon, ils vont pouvoir constater en tout cas en regardant la séquence bref, ils vont pu voir que l'usine fonctionne très bien. Je suis au-dessus du chapeau. Je suis redescendu juste après. 3 minutes après, t'avais déjà une witch qui avait spawné. Ah bah nice. Bah ça marche bien. Elle est rentable, mon usine, ma gueule. Voilà. Bon après, le délai, j'ai mis deux stacks comme ça pour que ça soit propre et puis c'est bon. À part, bon, j'expliquerai après comment ça... En fait, c'est quoi le... Je pourrais expliquer après c'est quoi le délire après, je peux te dire, pour les...
Le coup que j'ai, que je dis qu'il y a plus ou moins un certain dysfonctionnement. Mais c'est normal, parce que comme disait Uma, le problème c'est que t'as souvent des tics en plus avec quand t'es sur serveur que quand t'es en créa. Alors forcément quand tu crées au tic près, forcément en créa, tu peux avoir une différence qui fait une certaine différence qui fait que forcément quand t'es sur serveur, après, selon le serveur auquel t'es, tu peux avoir des certains soucis. Et bon bah c'est ce que j'ai eu, mais bon après Ça ça, l'usine dépend. n'empêche pas l'usine de fonctionner quoi, c'est le principal. Bah c'est nickel ça. Voilà, donc comme ça, donc voilà, t'as encore 2 semaines, donc ça va te dire à partir du 12 janvier tu pourras l'utiliser quoi, un peu plus, non, pas du 12, attends. Je regardais mon calendrier, excusez-moi, parce qu'on est là. Excusez-moi. À partir du... Que je dis pas de bêtises, du 15 janvier tu pourras l'utiliser, 15 janvier, pas avant le 15 janvier, voilà. Et d'ailleurs, pendant le D'accord. 15 janvier, d'ailleurs, c'est une date assez précise d'ailleurs pour une autre vidéo, enfin pour un rapport à ma chaîne, mais ça on en reparlera bien plus tard. Bon allez, nous on se laisse là, tandis que la lune se couche et le soleil se lève. Ouais, nous, à ma façon, toi je vais te laisser dans ton coin et moi je vais retourner à ma base. Donc en tout cas, moi je dis aux viewers, à la prochaine. Ah, aussi une petite chose, c'est un truc que je précise pas et ça je tiens à préciser. Si jamais vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis d'ailleurs et même à commenter si, enfin en tout cas si vous trouvez qu'il y a quelque chose à dire, même du positif, enfin bref quoi que ce soit. Allez, ciao!